Nous avons trois points pratiquement donc sous table là. Et nous avons commencé d'abord par la question qui a rapport avec renvoi membre du conseil électoral. Haïti politique, dossier élection. Tous les membres du conseil électoral provisoire renvoyés. Est-ce une étape vers les élections? Et je dis, c'est grave. Nous sommes censés. Il y a 3 mois là depuis que un président assassiné et pas un président au palais national. C'est très grave, madame, monsieur. Et c'est le monde qui a gardé Haïti. Et je dis là, il n'y a pas qu'à parler de pays. Parce que Haïti n'a pas un président. Il y a un premier ministre, certes. Mais est-ce qu'on connaît que le premier ministre, en fait, a ses limites. Quand même. Bon niveau d'engagement, pas qu'à prendre pour le pays. Claire. Madame, monsieur. Correct. Bon niveau d'engagement que le premier ministre, pas qu'à prendre pour le pays. Donc, il y a des papiers là, le premier ministre, pas qu'à signer sous nous Haïti. Il y a des papiers là. Le premier ministre n'a pas signé, donc il n'a pas engagé l'État. L'avocat, monsieur. Ok. Monsieur, qui a fait tout le bagaille. Monsieur, même jour, il a déclaré la guerre. Bon, c'est qu'il a peut-être dans la tête. Donc, il a dit que. Et Ariel Henry, comme premier ministre, comme il a dit Naïm sur le débat, déboutant de ce docteur qui, dans la politique, dans le pays d'Haïti, il faut garder les gens avec notre Dieu. Et il a dit que plusieurs. Exemple de docteur okay, qui fait politique dans le pays d'Haïti. François Duvalier. Nous avons qui implication, yo. Nous avons qui contribution donc, pour tout, pratiquement dans le pays. Des boutons de son docteur qui n'a pas politique dans le pays d'Haïti, il faut nous faire très attention avec nous. Il faut nous garder nous, avec notre Dieu. Ouais. Donc, docteur Ariel Henry, très intelligent. Ouais. Il voit que là, on s'avance là. Ah, ouais. Donc, il faut qu'il porte bourré. Et de fait, c'est ça qu'a fait là, madame, monsieur. Donc, c'est le rapport des forces. Oui. Correct. Rapport des forces. C'est le rapport des forces, madame, monsieur. C'est ça qui est là, qu'on y a là. Maintenant, qui secteur. Il faut qui... bien composer. Ah oui, mais il faut bien composer. Ah. Maintenant, qui secteur, je dis, qui est capable, ok, balancer, balance là. Mm-hmm. Faire balancer, pencher, madame, monsieur. Dans quel rapport des forces, bah ouais, non, là, madame, monsieur. Est-ce que là encore, Haïtien, c'est blanc aptan qui vous prend une décision? Eh bien, un outil, ça en tête nous, parce que blanc pas gain pour louer dans la question haïtienne. D'ailleurs, il a gagné nous là, tant que son paquet de cabrit, que louer qui pas qu'à entendre nous. Ok? Et puis, il est toujours abdou que solution, c'est solution à l'haïtienne. Son solution, donc à l'haïtienne, madame, monsieur. Correct. Donc, il y a ce bras là. Parce que l'international, il pas gain rapport avec Haïti. Yo vin là, ok, intérêt pour intérêt par yo, ouais. Madame, monsieur. Maintenant, le premier ministre, le premier ministre, docteur Ariel Henry, prend décision là, il révoque tout membre conseil électoral provisoire. C'est son chef qui l'a. Ah, c'est le premier bagage qu'il fait. Ça va être deuxième action. Ça vous comprenez encore? Ça va être deuxième action. Deuxième action posée. Deuxième action. Ok, le bas pour comprendre quoi, c'est que là, il rend visite à l'ONU. Ah bon? Oui, il rend visite à l'ONU. ONU, carte électorale. Côté où fait identification nationale, madame, monsieur. Mm-hmm. Donc, il y a 2 signes clairs que vous voyez là. D'après nous-mêmes, imbéciles, équipage, non. Parce que il y a 2 émissaires qui viennent là. Et qui parle de moindre. Faut ouais que monsieur gagne volonté. Faut ouais que monsieur gagne volonté. Correct. Même là, c'est pas ça vrai nous qu'on désire. Correct. Comprenez bien, madame, monsieur. C'est là. Parce que, il est obligé d'avancer pion ça. Oui. Parce que, il est déjà censé gagner 3 mois. Ou là. Oui. Au mandat de 3 mois, il était pas garanti à l'international là, que il n'a pas avancé vers les élections. Oui. Et bien, je veux dire qu'il y a 2 émissaires qui sont venus. Et bien, il a avancé pion ça. Oui. Maintenant, non, bah, monsieur intelligent, Bill. Le caractère légal de cette démarche, c'est là, en fait, je dis, débat. Claire. Est-ce que l'action que le docteur Ariel Henry pose, je dis là,
pour le renvoyer même conseil électoral provisoire, est-ce que légal? Ouais. C'est là où il débat, je dis là. Est-ce que légal? Est-ce que quelqu'un doit faire ça? Est-ce que la constitution a le droit ça pour faire? Mais il est en fait clair que je dis là, on voit que conseil électoral provisoire, même révoqué par remplacé par d'autres membres. Ok, et c'était vœu pratiquement plus fort monde qui était dans l'opposition face au président Jovenel Moïse. Ouais. Ok, le président Jovenel Moïse lui mettait pas une décision pour démonter le conseil électoral pour vous dire ça. D'ailleurs, pour l'opposition, conseil électoral pour vous dire que Dr. Ariel Henry envoyait là, ok, il était illégal parce que pas de précisément donc devant la Cour de cassation. Ouais. Nous avons une bataille qui était gagnée là, je veux dire là. Ce qui est de bonne guerre. Ce qui est de bonne guerre. Ouais. Donc, madame, monsieur. Mais vous n'allez entrer dans l'égalité de cette décision voilà. prise voilà. par le docteur Ariel Henry. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Ça, c'est notre débat que lié. Ouais. Ok? Mais je dis, il faut nous d'accord que, il faut nous comprendre tout que, pas gagner de légal là, je dis. Pourquoi de légal. Pas gagner de légal là, je dis, madame, monsieur. Donc, ça va me dire nous que, nous, tant que c'est un paquet de cabri qui nous savent. Ok? Donc, c'est la loi du plus fort. C'est ça. Parce qu'on savent, c'est de goût son junk. Claire. Ok, maintenant, docteur Ariel Henry, jusqu'à présent, le rapport de force là, lui montrer que c'est lui-même qui gagne force là, parce que il y a une partie de l'international là qui avait. Et puis il y a une partie de la classe politique là, pratiquement qui avait. Maintenant, par contre, comment il y a la bête? Ah oui. Entre deux espaces là. Très bien. Maintenant, par contre, comment que lié à terre, dans le basio, dans le quartier populaire, mais il était fait sentir que je dis, il montre que lui c'est chef pays d'Haïti. Maintenant, sur la Kakembe. Mais quelque part, fragilisez cette lit. Mais non, série de décisions que la prend. Non, série de paroles, déclarations. La fait. Docteur Ariel, faut faire un bouchon. Très bien. Docteur Ariel, parce que c'est comme si je me mettais l'huile sous du feu. Très bien. Jovenel Moïse, qui est mon athée, Louko. Mais c'est normal. Mais c'est là pour comprendre. Monsieur, dame, politique. Ouais, ouais, monsieur, vous avez un conseil électoral là. Regardez. Monsieur, vous avez un conseil électoral là. Vous n'avez pas dit rien. Vous n'avez pas rien. C'est la politique belle là, oui. Là que vous êtes en opposition, qu'on a vu le pouvoir. Et puis là, vous êtes en pouvoir, qu'on a ou passé, donc à l'opposition. Je dois venir jouer l'équipe du président Jovenel Moïse. Les jovenelistes. Les jovenelistes. Ouais. On voit que c'est eux-mêmes qu'on a qui viennent constituer donc opposition là, ouais. Je veux dire là. Et c'est eux qui parlent de la loi qu'on a. Ah oui. Et la loi, c'est voilà. Loi, loi, ouais. Loi, loi, loi. Ouais. Et puis il y a tout qui est loi, tout, non? Et puis il y a. Hé, Louko! Il y a loi, non? Mais maintenant tout ça, Esaïe César. C'est le peuple. Oui. Je dis à écouter, madame, monsieur, ou même qui c'est citoyen pays ça. Peut-être que. Il est mon qui la caillou là, c'est lui appris. Paye à balade. Ok, parce que tout ça qui est là, madame, monsieur, pas qu'à faire pays là-dedans. Non, moi, je vais pas payer, monsieur. Ça fait des. Et moi, avocat, pas les pays. Oui, tout simplement. Moi, voilà, nous, chita, n'a pas les pays. Pas pays, correct. Mais, n'est-ce pas dans les pays avant. Il n'y a pas faire pays. Comprenez bien. Donc, et groupe ça a été pouvoir dans le. Et groupe qui n'a pas pouvoir qui est dans l'opposition, je dis à Vigne pouvoir. Il a consolidé le pouvoir. Yo. Et groupe ça qui pas le pouvoir, je dis à Vigne en opposition. Je dis à. Vous pensez que la population lycée est imbécile? Non, la population n'est pas imbécile. C'est normal pour aujourd'hui à André Michel. Mais André Michel, ouais, la batte de son clip pour dire que moi révoquer un tel, moi révoquer une telle. OK, il y a des gens qui méritent révoquer parce que aujourd'hui à opposition donc à travers Ariel Henry donc vinn pratiquement donc prend pouvoir. Mais bataille qu'a mené là qu'on a aujourd'hui là, est-ce que docteur Ariel Henry capable de kembe? Est-ce que le cas continue avec justement yon exécutif, donc yon monocéphale. Est-ce qu'il est capable de Kimbel? Est-ce que, je dis en tout, donc les Américains peuvent supporter unilatéralement donc les projets du docteur Ariel Henry? Parce que madame, monsieur, pas oublié qu'il y a deux autres secteurs qu'il a qui bat sous table, qui s'épeignent avec la société civile. Ça le fait de deux à quoi ça yo. Et puis en plus, il y a le tiers restant du Sénat. Qu'on a comment à jouer avec le sénateur là pour lui capable d'arriver, donc atteindre l'objectif qu'il visait. Mais là, ça qu'il a, c'est bon, je vais être facile du tout. C'est extrêmement compliqué. Maintenant, nous allons regarder l'arrivée des émissaires. Qui ça en plus y a capoté? Ouais. Qui ça en plus y a capoté? Vu que qu'on y a, après la démission de l'envoyé spécial Daniel Foot, ouais. Ok,
ou regarder toute madame Harris disou que il pensait que Haïti c'est haïtien qui pour décider peut-être pas eux. Peut-être pas eux. Donc c'est ça nous voulons là. OK, donc c'est ça. Même là au fond il va s'allier. Au fond c'est pas ça. Son langage diplomatique. Donc c'est qui monde qui va rencontrer avec émissaire ça, c'est qui ça que monde ça yo pral dit donc madame monsieur donc à émissaire ça. Et c'est là nous besoin parce que c'est des monde justement qui parle qui pral parler parole Haïti. Qui pral poser vrai problème yo. Et c'est ça que fait matin là. Ah ouais. A lancé appel by madame Sisson. Nous connaissons eux même qui placé pour by groupe monde qui pral rencontrer avec émissaire yo. N'a demandé pour que émissaire qui vient là yo, yo rencontre avec des responsables au niveau des médias haïtiens, en l'occurrence monsieur Cap fait émission de débat yo. Faut émissaire yo rencontre avec yo. Pourquoi pas rencontrer avec nous Désir? Pourquoi pas rencontrer avec Gary Bebolchol? Pourquoi pas rencontrer avec Henri Herrier? Pourquoi pas rencontrer avec Valérie Luma? Pourquoi pas rencontrer avec Bob C? Pourquoi pas rencontrer avec Marie Raphaël? Pourquoi pas rencontrer avec Romanès? L'important, l'Uni Joseph, rencontrer avec eux. C'est nous-mêmes qui avons payé à nous. C'est nous-mêmes, population, à travers le monde, attendez. Émission de débat, c'est nous-mêmes qui avons masse écoute là. C'est nous, population, à travers le monde, attendez. Émissaire, faites, même ces consultations, ça m'a nous gratis. Yvener, faut que nous rencontrer avec eux. Parce que l'éclair, parce que l'éclair, si Washington croit que c'est Haïtien qui pour décider pour payer. OK, donc émissaire qui apprendre là, Teriel Telus, okay? Il faut que c'est des monde justement qui a parlé cause Haïti. OK, qui pour rencontrer avec eux, qui pour poser vrai problème Haïti. Et nous te disons hier donc participer donc dans émission matin débat. Et moi même parce que ouais, on est en cours et San Lucas qui déjà parti sur le nom. Ismaël Valestin, entre en contact avec moi. Ouais, semaine Zaola. Ismaël Valestin. Semaine Zaola, voix sans les son voix qui très sollicité. Tu vas entrer en contact avec moi, okay. Ou tu es d'air. Parce qu'on pas que Paul dit qu'on a parlé. San Lucas parlé déjà. San Lucas, comment nous y est? San Lucas, comment nous y est? À quoi c'est? À il doit qui bon battre de l'an. Pour celle-là. Encore Kassa. Il va sortir. Ok, Sandel Luca, comment nous est? Est-ce qu'on l'a? On l'a. Là, là. Bon, m'en de là. Faut-il dans son nez? Un peu comme vous, là, monsieur. On a le sang de l'autre. M'dado, clé, oui, là, dit papa, c'est qui bon? Comment vous dites? Est-ce que ça va maintenant, ça va? Ah, quel problème. Alors, madame, monsieur, n'a pas fait contact avec Sandé. Et, alors, pas oublier que, n'en voit, je venais d'ici, on n'en voit, oui, sans l'autre, là. Ah, quel problème, là, monsieur. Ok, essayez de donc sur téléphone Esaü César. Là. On a les. Ouais, essayez de relayer sur téléphone Esaü César. Là, parce que maintenant, il y a une difficulté pour nous capables d'entendre donc Stanley Lucas. Donc là, nous avons dit Esaü César. Oui. C'est que faut avec émissaire que c'est parole pays, ok, qui pour venir sous table. Puisque les Américains, okay? Quoi, c'est la parole pays, c'est une action monde qui est dans le pays, qui pour gérer crise pays. Correct. Donc si vous croyez dans ça, vous pas dans bah menti. Américains, donc nous souhaitons à ce que yo prend initiative tendez moun que pour entendre yo. Eh bien, Sandé Lucas. OK, on aller nous gagner et Sandé qui là et faut ça la passer. OK, Sandé où là? Moi salut Loco, salut Isa, Isaïe et salut l'excitant. OK, et je dis à quoi donc on a quand des journalistes ou bien ou un débat dans côté. Comment ça moi-même, on connaît, moi-même son proche président Jovenel, mais bon, c'est droit, monsieur, pour le monde, on va écrire les jovenelistes, moi-même, va formellement consulter dans le bail ça. Moi, respecter droit pour le monde, l'île,
pas aucun problème à ça, même pas impliqué directement, même pas là tout monsieur, quel que soit monde qui n'a mouvance là, pas la base PHTK ou qui très fâché est-ce que tête PHTK si on premier ministre qui touye président parler avec les journalistes, m'pa aller à allier qui dans mouvement parce que son mouvement qui largement large donc m'pa là tout le monde. Ouais. Eh bien, OK, est-ce que nous ca considérer aujourd'hui comme on est qui dans l'opposition vu côté ou tes amis président Jovenel Moïse, je dis on est dans l'opposition. Bon, moi-même li clairement que moi-même maintenant quand cap chercher justice et pour président Jovenel Moïse et soit regarder sous page Twitter moi depuis longtemps m'a boumé tout pour justice pour mon Ferrier Dorval. Et me sont non quand tout de la démocratie parce que démocratie l'échita sous cette caractéristique et gain deux caractéristiques là-dedans c'est aussi qui intéresse nous en pile qui c'est le régime de la loi. Ça veut dire l'égalité des citoyens devant la loi. Et puis, deuxièmement, c'est les élections. Et nous, c'est que tout le monde qui est en mouvance autour de Ariel Henry, il y a pas d'élection. Et il n'y a pas contre qui gens pour aucun des pouvoirs. Tant que le peuple n'a pas voté. Oui, mais le renvoi des membres du Conseil électoral provisoire, est-ce que ce n'est pas un signe que nous allons vers les élections? Absolument non. Et décision que vous prenez. Son décision illégale et inconstitutionnelle. Et c'est pour ça même penser que juge Ben à Saint-Ville doit prononcer lui sous brigandage là, qui a fait avec constitution et loi pays. Oui, mais tout le monde a illégalité là, oui. Et ça pas vrai, Louko. Et pas vrai? Bon, m'explique. Non, allez, non. Peut-être que c'est le bas bon pour le secteur, ou le bon pour l'autre secteur. Moi, j'ai toujours une position constitutionnelle et légale dans toute position. Allez-y. Nous c'est un nèg qui organise le référendum constitution 1987 là donc l'aime t'a fait programme éducation civique pour faire peuple là connait ça dans constitution donc faut comprendre l'esprit et la lettre. Législateur qui écrit article 149 constitution j'en ai écrit là et tant qu'au niveau de l'esprit et la lettre il connaît que si un président mourit dans cas ça c'est tout. Moun kap vin sous pouvoir, li pa gen mandat populaire. Avè di ke moun sa pa gen mandat pou la exécuter quoi que ce soit. Article 59 la, lè yo tou yon président, li di ke mandat c'est organiser élection ke liye. Ou pa gen droit révoquer non men. Bon, constitution tellement claire là-dedans, toi regarde dans article 59.2, li di kon sa ke même si bon interpellation premier ministre kap fait automatiquement que président mouri obligé de camper sur tout bagage ça. Parce que le législateur a connu que moun k'ap vin pran pouvoir, il n'y a aucun mandat populaire. Il n'y a pas exécuté quoi que ce soit nommé révoqué. Et c'est pour ça, son grand mandat, deux mandats au Bali, faire élection dans 120 jours. Deuxième mandat au Bali, gérer les affaires courantes pendant 120 jours pour que le nouveau président vienne monter là même. Donc ça veut dire que dans l'esprit et la lettre de la Constitution, tout ça n'est pas fait là, illégal. Deuxième aspect, qui c'est l'aspect démocratique là. L'aspect démocratique là, n'est pas fait écarter tout ça gain de démocratie. Par exemple, sous point KEPA, ok? En entrant dans la logique sordide. Dans KEPA, là où tu as monté KEPA, conformément à l'article 289 et 289.2, c'est bien. Il y a des élections dans le pays, mais tu as créé conditions, tu as essayé de bloquer dans l'élection. Bloquer l'élection est passé. C'est pour ça qu'il a essayé de bloquer monter KEPA. Pour y avoir dit les KEPA qui montent. Il y a 119 partis politiques qui ont enregistré pour aller dans l'élection avec KEPA. Lorsqu'on parle ça avec accord Ariel Henry, il y a 5 fois plus de partis politiques qui ont enregistré pour aller dans l'élection dans KEPA que les partis politiques qui signent accord Ariel Henry. C'est pour montrer l'aspect antidémocratique. Et c'est pour ça, moi-même, et Bernard Saint-Ville n'a pas qu'à le chanter au chant pour inconstitutionnalité et projet totalité qu'a fait là. Donc, pour moi-même, l'autre menti que le Premier ministre Lambaye sur CNN dans l'interview que l'hier, et M. fait des mentis graves. Oui, ça M. révoqué Rockefeller Guerre avec Bedford Claude. C'est parce que vous venez jouer que, dans le cas spécifique ça, qu'il t'a parlé avec l'assassin président, Badiou Joseph, pendant l'assassin, c'est Kaye président à 4h et 4h20 du matin. Au lieu de collaborer avec la justice, là, c'est obstruction à la justice. Et nous connaissons tout.
que monsieur, les complots a commencé en novembre 2000, jusqu'à juillet, il parlait au moins 290 fois avec Badji Joseph. Il parlait 290 fois avec Badji Joseph, assassin président. Donc ça veut dire que voilà que nous avons dans le pays, dans cette pays, un assassin qui participe dans tout le président, l'a bloqué l'élection, l'a bloqué la justice, côté M. Prala avec nous là, pas une démocratie qu'il parle. Trois étrangers qu'on parle, on garde la réalité étrangère avec deux, trois actes. Oui, mais avant notre question étrangère, et ça n'est le cas, là, on est d'accord avec moi, donc c'est rapport de force là. Ok, est-ce que Ariel Henry lui-même n'est pas aujourd'hui en position de force? Ok, avec soutien qu'il gagne dans le secteur de l'international, également, quand même, on partit dans la classe politique qui s'y avèle. Et je dis, elle n'a pas avancé. Donc, Dans la classe politique là. Mais en face, là, côté en face là. Est-ce que le gars face, je dis là? Qui ça qui a empêché l'avancée, même si c'est dans l'illégalité? Ok. Et le combat pour la démocratie, dans le contexte politique qu'on a joué là, il est l'équipe qui gagne. Et stratégie à l'équipe qui gagne. On regarde qui est marché avec Ariel Henry. André Michel, Nenel Kassi, Nika Pierre, Nega Kobe, MW, à quoi contenait manger, à quoi direction générale, peuple à Wamba Nexaï. Il n'y a pas campé soin, il n'y a pas de crédibilité. Mais il y a passé 4 ans et demi, il y a boulé marché, il y a boulé l'école, il y a boulé commissariat, il y a boulé formation professionnelle à travers le pays, il y a décapitalisé effectivement chez une people. Et puis ça, nèg ça, nous vîmes, ouais, pour qui ça, c'est pour à quoi contenir manger. À quoi BMW machine qui est au bail. Donc, au niveau crédibilité, ça, nèg ça, qui l'a signé. Ou pas, ouais, l'argent, Ariel déjà fini. C'est bon question, est-ce qu'il y a Ariel pralé, non? Et qui l'a pralé? L'argent, c'est bien fini là, il y a limite. Et en d'un mouvement, ce qu'il y a, il y a des contradictions que nous n'avons pas même besoin de rentrer là-dedans. Donc, après le rapport de qui force que rien, même dans la police, là, pendant 2 mois, les dignités avec les oligarques, ils voulaient faire comprendre comme si c'est qui n'a pas l'air seulement qui touille le président, c'est la police seulement qui touille le président. Je viens de dire, ou même Louko, ou même Esaïe, ou même Lexido, ou même Tatou, ou même auditeur, comment on pense que les policiers qui ont gardé Ariel, sécurité qui ont gardé Ariel, pour que les policiers aient connaissé que c'était la coordination de tous les présidents. Et puis, pendant 2 mois, ils ont essayé de comprendre. C'est si la police qui n'a pas l'air, seulement qui touille le président. Alors que faire votre le président, c'est Ariel, abonné à l'oligarque. Comment d'après un petit policier comme Ariel, sécurité, abgadé Ariel? Mon cher, oui, Ariel fait du matin déjà. Ça a mis du maillot à l'avance. C'est pour ça moi-même, dans quelqu'un de stabilité politique, même des diminutions qui l'a, pour éviter des gros problèmes dans le pays, monsieur ministre, il faut réunion au côté, révoquer Ariel. Mettons moun nan cabinet ministériel, la premier ministre, pour éviter problème à pays. Dans tout journal étranger, Washington Post, CNN, tout côté qu'on est, qui monsieur impliqué dans tous les présidents. Donc, qui vous l'aimera là, monsieur là? Et, monsieur, son danger, on menace pour nous tous. Sanne Lucas, bonne question. Qui est-ce qui a retiré elle, je dis là? Qui est-ce qui a fait ça? Et le cabinet ministériel, c'est eux-mêmes qui vous réunissent. Parce que, bonbon, Lucas, monsieur, son menace pour nous tous. Parce que, monsieur, pas bon style. Qui qu'un bel là, qui fil qui qu'un bel là, c'est 2-3 blancs qui ont intérêt économique qui a défendu. Et c'est pas le bail, n'importe qui bagaille, et c'est pour ça que c'est une menace pour nous tous, pour qu'elle s'arrête, pour qu'elle rete, elle ne peut pas arrêter. Et c'est pour ça qu'on a 2 options qui devront là. Première option, c'est le cabinet ministériel là qui prend responsabilité. Il y a des amis en ministre qui est-ce qui a mis le premier ministre pour faire l'élection pays et continuer par le président de justice. Deuxième option, c'est la RIA. Nous faisons simulation. Mes amis, ouais, moi-même, toujours honnête avec nous, je vais y aller à la France. Je te jure, Louko, tout le monde qui est responsable dans le pays, qui a un brin d'honnêteté, de responsabilité, si nous quittons cela, il y a qui prend la 7 fois plus mal que 7 février 1986. Il est en wellness. Donc ça veut dire que là nous disons matin débat, l'obé la capété. Donc vous faites même le avec nous. C'est ça. Ça veut dire que qu'on est qui vient dans le quartier populaire pour les gens qui tuer. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord avec le président Jovenel, oui. C'est pour les gens oligarques à l'égalité de tous les présidents. Qu'on est qui vient dans le grand sud là
pour Jean fait 150 000 moun a souffri, nèg yo pa gade moun yo tan pou chien, et puis pendant moun yo a souffri nan Grand Sud la avec tremblement de terre, nèg yo prend 900 millions de dollars américains, y a le remettre nèg ni banque yo, y a le remettre nèg ki nan gaz yo. Pour Jean réfugié nou a souffri, nèg yo recevoir 55 millions de dollars américains pour réfugié pour faciliter déportation yo, et puis y a le bay moun yo 1000 gouttes de bio Québec comme yo nan poche. Donc collègue qui gagne dans quartier populaire avec négligence que n'y a pas pays là puis nèg yo impliqué dans crime là non pas droit quitter moun yo dans la rue le cabinet ministériel là gros responsabilité mais bon parti dans blanc faut nous parler de blanc blanc li important que nous parler de lui sous trois axes bon axe Saint-Domingue bon axe OEA bon axe Washington on garde axe Saint-Domingue là en vent à qui ça nous attendre nous avec arriver donc émissaire à qui ça nous attendre nous Vu que n'a parlé de blanc, à qui ça nous attend nous? T'as même mangé ça, mais bon, bon, si d'ailleurs nous mangeons blanc, va où il y a parce qu'il tout coûte bien et blanc américain qui a vécu n'a parlé. Ok, allez-y. Et Abinader et son opération rattrapage qu'il a fait là, non, prend pas comme si les l'armée dominicaine sous frontière son opération rattrapage. Si Abinader t'es voulu aider pays d'Haïti tout bon, il a collaboré à enquête sous président Jovenel Moïse là. Comment faire que Colombien yo fait tout temps à Saint-Domingue avant yo rentre à Haïti, intelligence dominicaine pas dit nous. Comment faire dans Colombien yo gain qui sécurité un bourgeois dominicain qui vient participer dans tout le président. Comment faire son avion privé dominicain qui vient mener Colombien yo en Haïti. Dominicain yo pour collaborer. Où est Nabine sous ça? Ah oui, mais non faut Mbav le pas sorti dans la caille américain pour pouvoir parler. On dit c'est domaine. Américain crime non planifié. Le crime a été planifié. OK, à Fort Lauderdale, États-Unis d'Amérique. OK. Mbav dit sous parti ça pour faire bagaille avec méthode. Ouais, ça avec méthode qui m'a méthode là, mais elle a commencé. Et on va d'accord même elle a commencé. Nous va continuer pour ne pas perdre du temps. On continue pour ne pas perdre du temps. Donc Abinader lui-même son Libanais qu'il dit. Abinader son Libanais qu'il dit. Nous c'est un agenda arabe pour le pays d'Haïti avec Boulos et Dimitri Vop. Pas un haïtien qui a valé l'agenda Abinader. Moi, Fernandez, Lionel Fernandez, ancien président dominicain, vient pour éboucher là-dedans, dans mon complot national avec oligarque et complot international. Fernandez, il ne s'est pas voulu mon noir. C'est monsieur qui montre résolution 168-13 ans, qui fait 250 000 dominicains noirs. Parce que nous avons d'origine haïtienne, fait opérer la nationalité. C'est pour ça qu'on a fait un rapport qui est dénationalisation et apatrie dans la République dominicaine. Et monsieur qui est raciste, qui est à la base. C'est pour ça que je suis à l'aise avec les Dimitri Vob, les Boulos, dans monter au complot raciste international contre le pays d'Haïti. Ça va pas passer. Donc il faut que nous clair sur ça. Donc moi-même, sous dossier OEA, Organisation des États américains, c'est lui-même qui t'a accompagné KEP qui là n'a préparé l'élection. OEA n'a jamais fait un rapport qui dit que KEP a fait un bagage illégal, qu'il n'a pas fonctionné dans la transparence. Au contraire, OEA était très satisfait, Jean KEP a avancé avec le processus électoral là et 119 partis politiques enregistrés. Donc, je ne veux dire, devant obstruction la justice qu'a faite, devant l'élection que le Premier ministre l'a bloqué et saboté, chaque démocrate qui a des articles 19 à 24 aura une responsabilité pour déclencher lui. Pour les Américains, on garde les Américains. Président Biden, dans son sondage, il y a 44% de monde qui a approuvé aux États-Unis. Il y a 50% de monde qui n'a pas approuvé sans la diriger. Il y a un problème sur quatre dossiers. Afghanistan, inflation qui vient dans l'économie et puis on bat la Chine qui fait faillite, qui vient pas sur l'économie mondiale là. Et coronavirus, la question booster, et puis dossier migratoire là, sous frontière entre le Mexique et les États-Unis. Qui sa réalité Washington nan yé, et qui j'en Washington a géré le pays d'Haïti? Washington gen gros problème dans Samson Douyo, li gen la Chine, li gen la Russie qui l'a géré, li gen problème afghan qui l'a géré, li pa besoin problème en Haïti. Et faut pas oublier que président Biden gon 5,5 trillions de dollars américains qu'il besoin faire passer dans le Congrès américain pour agenda national la caille. Majorité démocrate dans le Congrès est très petit. Et il n'y a pas qu'à faire 3 ou 4 votes.
qui moun ki chaud sous dossier haïtien dans congrès américain numéro 1 Black Caucus. Black Caucus bon agenda spécifique pour Haïti tout comme connaît, m'a besoin ba li dans émission ça. Il pas compatible à ça nous même haïtien que nous voulé. Ça Black Caucus voulé. Deuxième moun ka fait lobby dans congrès a. Ou gen oligarque groupe de boudon yo qui gen agenda yo qui voulait transition longue pour signer vieux contrat même que j'ai fait sous privé. Donc les contrats ça aussi président constitutionnel que nous choisissons dans l'élection pas gen problème encore. Yo va trier président encore parce que bagay qui fait sans transition c'est créer problème pour président constitutionnel. Oligarque de boudon a fait lobby depuis le 3 août dans Washington. Ou gagner missionnaire américain qui gagne réseau lobby pareil, ou gagne diaspora qui gagne lobby pareil, ou gagne intérêt économique américain. Ça veut dire que agenda délégué américain qui a vini yo, li gen droit incompatible à sa majorité peuple ta vle. Parce que faut pas dire que américain qui a vini, li pas et m'te toujours dit étudiant qui m'te konn faire présentation pour yo, coup pour yo dans première année et dans préparatoire dans Inagé, toujours dit ça. Il y a 192 pays sous la terre, pays où pas des amis, pays où il y a des intérêts. Les Américains débarquent sous ces intérêts américains. Les Français débarquent.